Force et houblon, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode qui est un petit peu différent d'habitude, je pense que vous l'aviez remarqué. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un épisode coup de gueule qui est fait à chaud, sans beaucoup de préparation, et dans lequel j'aimerais vous parler de deux bières qui nous prennent vraiment pour des cons. Avec l'été qui arrive, vous allez sûrement bourlinguer à droite et à gauche, et vous aurez peut-être envie de découvrir les binous du coin de là où vous allez atterrir. C'est une très bonne idée parce qu'il y a d'excellentes microbrasseries planquées à découvrir un peu partout. Le problème, c'est qu'avec l'expansion du local, il y a aussi beaucoup de petits enfoirés qui vous vendent des bières soi-disant locales, mais qui ne le sont pas du tout, et qui veulent vous la faire à l'envers de façon plus ou moins sale. C'est d'eux dont on va parler aujourd'hui. Alors bien évidemment, le but de cette vidéo, c'est surtout pas de vous rendre parano, c'est simplement de vous faire prendre conscience qu'il existe certaines marques qui se payent votre tronche. Cette vidéo est basée sur mon opinion perso, bien entendu, et aussi sur deux excellents articles de Hoppy Hours et Happy Beer Time que je salue, et que je vous invite à aller voir, les liens sont dans la description. Oh. Mmh. Ça va balancer, c'est parti. Alors pour que les choses soient claires, aujourd'hui, 8 mai 2017, je vais vous parler de deux cas de figure, de deux bières qui se basent sur une localité pour construire leur campagne marketing, leur communication et bien évidemment se vendre. Sauf que 1, elles n'ont rien à voir avec cette localité et 2, elles ne sont pas du tout transparentes, voire même elles essayent de vous cacher le lieu réel de production de la bière. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que si jamais vous voulez savoir d'où peut venir la binouze que vous tenez entre les mains, il y a plusieurs infos à lire sur l'étiquette. Premièrement, vous avez les tout premiers chiffres sur le code barre qui indique le pays d'origine. Je vous mets les plus utiles ici. Ensuite, deuxièmement, vous avez le code EMB ou code emballage qui est plus précis que les numéros du code barre. Le problème, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Et enfin, vous avez l'adresse. Le problème de l'adresse, c'est que vous pourrez très bien mettre l'adresse du siège social qui n'a pas forcément grand chose à voir avec le lieu de production réel de la bière. Et c'est là-dessus que vont jouer les deux bières dont on va parler. Alors, premier exemple, imaginons qu'on soit touriste à Marseille. Il fait chaud, il y a du soleil, on a soif. On va se poser à la terrasse d'un café et on nous propose la cagole de Marseille. Ni une ni deux, on va se dire, bah tiens, on va goûter cette bonne bière locale. Et bah, détrompez-vous, la cagole de Marseille n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec Marseille. Elle n'y est même pas brassée, elle est brassée en Alsace. Forcément, c'est moins local. Et avant d'être brassée en Alsace, elle était brassée en République tchèque, c'est pour dire. Du coup, le sachant, vous l'auriez acheté quand même ou pas? En fait, ils n'ont pas le droit de dire que c'est la bière de Marseille parce qu'elle n'y est pas brassée, mais ils contournent cette interdiction en utilisant le nom de la marque, la cagole de Marseille, la bière du Cabanon. Ça passe crème, mais ils nous prennent pour des cons. Alors, c'était pas prévu du tout, mais ça tombe très très bien qu'elle soit là. Heineken, vous savez qu'Heineken et moi, c'est une grande histoire d'amour. Bon, bref, ils ont une brasserie à Marseille, et je suis à Montpellier, donc je suis sûr à 99,9% que cette bière-là vient de la brasserie de Marseille. Et bah, dites-vous que cette Heineken-là, elle est plus marseillaise que la cagole. Tout est dit. Maintenant que vous voyez un petit peu mieux de quoi je veux parler, on va passer à notre deuxième exemple avec la Mira, la bière du bassin d'Arcachon. Alors mise en situation, on est à Arcachon, on y habite ou on est en vacances, on s'en fout, on nous propose une bière, la Mira, qui est brassée sur place avec de l'eau forée à plus de 270 mètres de profondeur. C'est impressionnant, moi j'ai envie de goûter ce qu'ils font là-bas, donc je prends. Voilà, j'ai même envie d'aller visiter la brasserie. Le problème, c'est que la brasserie, en fait, à la place, il y a une concession automobile. Et puis, au final, la bière est pas brassée là-bas du tout. Elle est brassée à l'IFBM de Nancy. Il y a 1000 bornes hein, entre les deux. Alors, à moins d'avoir un pipeline qui envoie l'eau directement de la source forêt à 270 mètres à Nancy, je sais pas comment ils font, mais quelque chose me dit qu'ils sont bien foutus de notre gueule dans l'histoire. Mais oui, mais vous comprenez, la brasserie n'était pas encore installée, le forage n'était pas prêt, mais on s'en bat les couilles! Les gars vendaient pas de la bière comme 100% du bassin avec de l'eau source pure forêt à 270 mètres si elle est faite à Nancy! Bon après, tout est bien qui finit bien, même s'il aura fallu une petite visite de la répression des fraudes, la bière devrait être brassée effectivement sur place cet été, et puis ça crée des emplois, de tout mal n'est un bien. Ça laisse quand même un petit goût amer. Et c'est pas celui du houblon. Bon, après, vous vous rendez compte, si à chaque fois qu'on achète une bière, on est obligé de regarder l'estampille sanitaire, le code EMB, l'adresse, le code barre. Le but, à la fin, c'est pas non plus de se transformer en lieutenant Colombo de la binouze. There's just one other thing, sir. I'll explain it to you in a minute. Mary, use your telephone. Du coup, j'aimerais aussi avoir votre avis sur la question. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute sur une étiquette de bière comme mention obligatoire pour éviter ce genre d'arnaque?
Et puis, est-ce que vous connaissez d'autres bières qui essayent de vous la faire à l'envers? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire tourner. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos. D'ici là, moi, je suis obligé de vous rappeler que, bien évidemment, la bière, vous le savez, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Et puis, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon! Alors j'ai vérifié pour Heineken et ces petits filous, ils ont leur petite technique à eux, ils font quand même, hein, ils nous la font à l'envers mais avec de la vaseline, parce qu'il y a marqué brassé et conditionné sous supervision avec l'adresse de la brasserie d'Amsterdam, plus l'adresse du service consommateur, mais alors pour le lieu réel de production de brassage de la bière, par contre, bière de prestige, ça y a pas de souci, c'est écrit.